Championnat de France professionnel dans la catégorie des poids coqs, moins de 53 kg 524 grammes sur la balance. Le combat est prévu en 10 reprises de 3 minutes. La ceinture est vacante. Le premier coach challenger est affecté au coin bleu, basé à Divion dans le Pas-de-Calais. En accueil, Jérémy Béthu. Le second coach challenger qui est basé à Angers, sous vos applaudissements, Georges Tino. En termes de région d'appartenance, c'est une opposition Pays de la Loire, Nord-Pas-de-Calais. Afin de garantir aux deux coachs challengers les conditions d'équité, de neutralité et d'impartialité absolue, c'est un jury neutre qui a été désigné par la Fédération française de boxe. L'arbitre directeur de combat est Monsieur Sylvain Colombel, Normandie. Les juges sont messieurs Robin Delpierre et Christophe Fernandez, également de Normandie, ainsi que monsieur Boubke Ridley Picardie. Le premier coach challenger donc vient de Divion dans le Pas-de-Calais. Il est âgé de 26 ans. Il a livré 75 rencontres amateurs. Il a été 6 fois champion de France chez les purs, 1 fois chez les cadets, 2 fois chez les juniors et 3 fois chez les seniors. Sélectionné olympique aux Jeux de London 2012, il est passé professionnel le 9 mars 2013. Il va disputer ce soir son 14e combat. Le palmarès comporte 10 victoires, dont 3 obtenues avant la limite pour seulement 3 défaites. Il a été challenger national en 2016. Jérémy Béthu. Le deuxième co-challenger est sous contrat de promotion avec Gérard Tesseron Europrom. Il est basé à Angers. Il est âgé de 25 ans. Il a livré 40 rencontres amateurs, champion de France en 2012. Il est passé professionnel le 7 décembre 2013. Il va effectuer ce soir son 11e combat. Le palmarès comporte 7 victoires, une seule obtenue avant la limite, 2 défaites et un match nul.
vainqueur de la grande finale de la Coupe de la Ligue en 2015, Georges Tino. Les deux boxeurs sont montés sur la balance hier soir à l'Intermarché de Pont-Audemer. Il ne fallait pas dépasser 53 kg 524 grammes sur la balance. Georges Tinori a été pesé à 52 700, Jérémy Bécu à 53 200. Mesdames, messieurs, c'est la tradition lorsqu'une ceinture nationale est en jeu, en l'honneur de la ville de Pont-Audemer qui accueille l'événement d'Europrom, Gérard Tesseron qui l'organise, des deux co-challengers et du jury désigné pour ce championnat de France. Merci de bien vouloir vous lever. Nous allons faire retentir l'hymne national français. Des poids coqs entre Georges Horry et Jérémy Bécu. Les poids coqs, moins de 53 kg 400. Les deux garçons ont fait le poids hier soir, Dominique. Et c'est un combat vraiment intéressant parce qu'ils se connaissent parfaitement. Ces deux garçons se sont déjà affrontés aussi bien dans les rangs amateurs que dans les rangs professionnels. Mais ils étaient concurrents dans les rangs amateurs. Il n'y avait qu'une seule place. Donc on va dire que c'est Jérémy Bécu qui avait l'avantage au niveau des compétitions qu'il a et des résultats qu'il obtenait au niveau international. Bécu a toujours été vainqueur face à Horry, en tout cas. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, à noter, les deux boxeurs restent sur une défaite. Alors, bizarrement, donc... Effectivement, Jérémy Bécu a perdu récemment, hein, c'était le 25 mars dernier, face à Thomas Barbier, dans le Pas-de-Calais, alors que Georges Horry lui a perdu contre Geoffrey Dos Santos. Voilà, ça veut dire qu'on a une certaine richesse dans cette catégorie des poids coqs. Vous êtes des professionnels, vous respectez le règlement, vous respectez votre adversaire, on fera un beau combat. Serrez-vous la main, les gars. Et il y a un peu d'animosité entre les deux garçons. Les deux garçons l'avouaient avant le combat, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a... C'est un combat intéressant, parce qu'il y a de l'incertitude, il y a de l'enjeu. Un titre national, c'est pas n'importe quoi. C'est parti pour le premier round de ce championnat de France des poids coqs. Moins de 53 kilos entre Georges Horry, short blanc, et Jérémy Bécu, short militaire. Alors, bon travail d'Horry. Tout le monde a pu noter qu'on avait Horry qui est en position de gaucher, donc bras gauche en arrière, alors que Jérémy Bécu, lui, a une garde traditionnelle, donc point fort, le bras droit. Et vous l'avez dit, ces deux garçons ont souvent été mis en opposition dans les qualifications des grandes compétitions et notamment des Jeux Olympiques. Jérémy Bécu qui a participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, qualifié aussi au championnat du monde 2011 à Bakou, alors que Georges Horry, eh bien, lui, a tenté deux sélections pour les JO, Londres 2012 et Rio 2016, et à chaque fois recalé. Et c'est d'ailleurs une pilule amère qu'il n'arrive toujours pas à avaler. C'est peut-être pour ça qu'il a envie de remettre les pendules à l'heure. Et c'est bien sûr le crochet droit de la part de Georges Horry. On le sent vraiment déterminé ce soir, Georges Horry, qui a d'ailleurs annoncé qu'il ne perdait peut-être pas espoir d'une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Pour le moment, c'est un rêve qu'il met de côté, mais sait-on jamais, il n'a que 25 ans. Oui, rappelons-le, la Fédération Internationale, la IBA, donc permet maintenant... Oh, crochet attention, crochet
Bras arrière de Horry qui vient de toucher de plein fouet le côté droit de Bécu. On sent de la tonicité chez Horry. Je le sens un peu plus affûté physiquement. Est-ce que c'est une illusion de premier round ou est-ce que ça tiendra tout le combat? En tout cas, il est vraiment bien. Il est rentré dans ce combat. Il a tout le public de Ponto de Mer derrière lui. Lui qui est originaire d'Angers dans le Maine-et-Loire. Mais qui connaît bien cette région de la Normandie. Ah, ça fait mal avec son bras arrière gauche. Il est dangereux et il fait mal. Oh oui, encore le crochet gauche. Qui l'a doublé. Il a été déstabilisé, Bécu. Donc, il reste sur sa droite et en restant sur sa droite, il se fait contrer systématiquement. Et oui, il se fait contrer avec l'uppercut gauche et le crochet gauche. Il a de très bons déplacements arrière et il travaille bien avec son bras avant, Georges Horry. C'est bien ça encore, crochet gauche, uppercut droit. Il n'y a pas trop de déchets dans sa boxe, il se déplace, il amène Bécu sur son bras arrière et il déclenche son bras arrière. Ah, il a pris ce combat par le bon bout, Georges Horry. C'est pourtant Jérémy Bécu qui avance, mais il se fait contrer encore. Il se fait contrer à chaque fois. Il se fait contrer encore. Et il remise touché. En plus Horry. Top, top. C'est bon. C'est bon, les gars. Première reprise qu'on peut attribuer à Georges Horry sur la clarté de ses contres, notamment du bras arrière. Bouge bien ton tronc, travaille. Ah, je pense que c'est assez clair. Direct du bras arrière. Dominique. Chaque fois, il les prend. Passe-moi ton crochet gauche. Et on va écouter Bahamed Atlan, l'entraîneur de Georges Horry. Voilà. On essaye d'aller un peu plus vite. Hein, d'accord. On essaye d'aller un peu plus vite. Quoi? Ça va, gars. Hein? Ça va, t'as rien. C'est Tony Bonnel dans le coin de Jérémy Bécu. Voilà. Lève bien ta garde, avance, travaille-moi ton bras arrière. D'accord? Chaque fois, il prend ton bras arrière. Hein? Dans les coins, essaye d'aller un peu plus vite. Ne reste pas trop. Ne reste pas trop sur lui sans travailler. On a bien noté qu'il restait dans l'axe et qu'il s'exposait sur les contre-attaques adverses. Début de la deuxième reprise. Et tout de suite, Georges Horry avance. Et il reste sur cette tactique bras avant, petit pas de recul, en attendant certainement le contre. Hein. La tactique d'Horry est au point. Mais oui, il attend le déclenchement des attaques de Bécu et il protège, il est bien protégé. Et il arrive à sortir, à ponctuer les actions des crochets. Attention à Bécu qui essaye d'enfermer Georges Horry qui est bien sorti. Bécu qui a accéléré corps face mais qui s'est fait contrer. Ah, l'ambiance est montée d'un cran, hein, du côté de Ponto de Mer, Dominique. Écoutez, on a affaire à un combat qui est rentré dans le vif du sujet dès la première reprise avec deux boxeurs de talent qui se disputent une ceinture prestigieuse. Et tout ça c'est contré hein, par Georges Horry. Oh, ouais, il a touché. Crochet droit. Ouais, le menton de Bécu. Cavaldingué. Mike. On sent un tout petit peu plus d'explosivité sur les coups, notamment du bras arrière de Georges Horry. Je suis assez d'accord avec vous, Dominique. L'uppercut droit encore qui est rentré entre les points de Bécu. Deux petits poids, mais c'est les deux petits poids qui frappent. C'est vraiment un combat de coq sans jeu de mots. Et c'est le crochet droit encore de Horry qui vient de toucher. Top, top, top. On est ensemble. Boc. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir son rythme tous les deux pendant 10 reprises? Je n'en suis pas sûr. Compliqué, hein. Je n'en suis pas sûr et c'est le boxeur le mieux préparé, le plus frais qui va l'emporter. Parce que là, il y a une épreuve de force qui s'impose.
Et Georges Horry, pour le moment, on est à 7 victoires, 2 défaites et 1 nul dans sa carrière professionnelle. Et seulement une victoire avant la limite, un KO, alors que Jérémy Bécu, lui, sur ses 10 victoires, 3 défaites à 3 KO. Et c'est bien, c'est mieux ce qu'il fait là, Jérémy Bécu. Oui, mais il se fait contrer. Il essaye de mettre une cadence là, en enfermant dans le coin Georges Horry qui ressort et qui reste plus efficace. Oh oui, c'est bien ça, le crochet droit encore une fois de Georges Horry. Il y a eu une meilleure attitude de Jérémy Bécu, mais j'ai l'impression qu'Horry est resté plus efficace. Jérémy a été plus agressif, plus constant dans ses attaques. 30 secondes de récupération. Mais c'est Horry qui ponctue le mieux ses actions et avec son bras arrière droit. Travaille plus dans les échanges. Le bras arrière gauche, pardon. Non, mais tu vas piquer. Et les crochets. Je te jure, tu vas voilà, piquer. Voilà, on le voit, le crochet droit. Il travaille à l'arrache. Il travaille à l'arrache. Il travaille à l'arrache, là. Il travaille n'importe comment. C'est bien ce que dit l'entraîneur de Georges Horry. T'es bien dans la boxe. Tu te fatigues trop, fais attention. Mais Kino, je t'en supplie, pas sur un coup. Plus sur un coup. Tu lâches un bras arrière, je veux un crochet derrière. D'accord, ok. Tu travailles sur deux ou trois coups. D'accord, Tino. Attention à ses yeux. Ça va le coup, Sou? C'est mieux, là. Tiens. Enlève. Début de la troisième reprise de ce championnat de France des poids coqs entre Georges Horry et Jérémy Bécu. Un combat qui est parti à 100 à l'heure. Est-ce que les deux garçons vont tenir cette cadence? Ça va être compliqué. Et là, c'est encore Jérémy Bécu qui repart à l'attaque, donc qui repart à l'assaut. Et c'est lui qui déclenche le premier. Pratiquement toutes les actions. Il reste dans le contre pour le moment. Travaille au corps. Alors, il n'y a pas beaucoup de préparation d'attaque, mais par contre, il y a vraiment du cœur de chaque côté. Et là encore, le gauche de Horry qui vient de faire mal. Attention à Bécu qui ouvre la garde d'Horry. Ah, c'est du à toi à moi, hein, Dominique. Ah, c'est un combat de guerrier. Là, il n'y a plus de construction véritablement. C'est plus chacun sa cadence. Chacun sa combinaison en espérant être le plus efficace. Ah oui, bon crochet gauche de Tino. Tino Horry, comme on le surnomme. Et il a touché. L'impression qu'il a été touché, ouais. Jérémy Bécu. Il est reparti en arrière, un petit peu en déséquilibre. Et Horry qui essaye de travailler un peu plus au corps maintenant, Dominique. Il commence parce que c'est pour un gaucher, c'est l'arme fatidique, hein, l'uppercut gauche au foie. Il essaye de le passer, mais et c'est le crochet droit encore qui touche. Ah, ça sonne à chaque fois. Hein. Et Bécu qui prend quand même, hein, qui encaisse. Et c'est toutes les contre-attaques. C'est les contre-attaques de Horry qui font mal. Et attention à cette attaque d'Horry qui en a assez d'être battu à chaque fois par Bécu. Qui a bien l'intention de prendre sa revanche. Et quelle meilleure revanche que de s'imposer pour un titre vacant de champion de France. On ne peut que remercier Gérard Tesson de nous proposer de ce genre de championnat d'une telle qualité. Ah bah franchement, là pour le moment, soirée Gérard Tesson, elle est parfaite. On a eu que du bon avec Cindy et Adrien Ivastine. Et maintenant ce championnat de France des coqs entre Georges Horry et Jérémy Bécu qui se donne à fond. On a toujours le même schéma, on a Jérémy Bécu qui avance. Et qui délivre des coups, mais qui reste. Et Horry, lui, exploite ses actions offensives chez Bécu pour contre-attaquer et terminer avec son crochet droit. Oh, il est dans le contre encore une fois. Georges Horry. Et il est bien dans le contre parce qu'il bloque les attaques de Bécu pour à chaque fois contre-attaquer. Top. Bien. Oh là là. J'ai encore envie de la donner à Horry, moi, cette reprise de Dominique. Mais écoutez, emmène le combat. C'est un round qui est un peu plus équilibré. Mais Horry marque les points les plus notables. D'accord.
Par contre, ne laisse pas prendre le mieux. On le voit, à chaque fois, les attaques de Bécu, elles frappent dans les gants. Alors que Horry est plus dans la contre-attaque. Regardez. Elles sont plus nettes. Plus nettes et plus précises. Bouge, voilà, bouge. Il y a déjà laissé beaucoup de force. Ce qu'il faut, c'est bien bouger le tronc, travailler, bouger, voilà. Pas rester statique. Fais-le reculer, fais-le reculer. Tu dois être dessus, c'est toi qui dois faire le combat. Je sens malgré tout dans le coin Dominique Jérémy Bécu concentré et peut-être un peu plus frais physiquement aussi. Hein. On le sent pas forcément éprouvé, émoussé, fatigué. Alors que Horry dans son coin, lui, a l'air de chercher un peu plus sa respiration. Effectivement. Mais bon, c'est une analyse qui peut être pris en compte. Effectivement, ça va jouer à partir de la 5e, 6e reprise. On arrive à un moment fort du combat où les organismes commencent à être fatigués vu le rythme qu'ils se sont imposés l'un et l'autre. Et Horry toujours aussi efficace dans les contre-attaques. Bécu qui se tente à chaque fois ses attaques directes qui sont pas toujours très précises. Se donne en tout cas, hein, Jérémy Bécu. Box. Il y a du cœur. Les deux boxeurs sont fatigués. Ils sont en recherche d'oxygène l'un et l'autre. Ah, ils se sont mis vite dans le rouge. Hein. C'est-à-dire qu'avec une première reprise qui a été attaquée à fond la caisse. Le problème, c'est que Bécu prend des coups de plein fouet et on voit la tête partir en arrière. Parce qu'il a une action offensive, il est sur l'adversaire, mais c'est lui qui subit à la fin. Et l'action est portée au bénéfice de Horry. C'est pour ça qu'il est devant, il a un net avantage. Bien ça encore, ce gauche-droite d'Horry. Ah, il baisse un peu les mains maintenant, Jérémy Bécu. C'est celui qui va réussir à maintenir le rythme, que ne pourra pas subir le deuxième qui va gagner. C'est un combat vraiment qui est indécis pour le moment, même si Horry a un petit avantage à ce niveau du combat. Ça va jouer à partir de maintenant, sur la deuxième partie du combat. On revient ensemble. Attention, parce que Jérémy Bécu, on l'a dit avant le combat, est peut-être un peu plus expérimenté dans les moments les plus importants des grands rendez-vous. Il a quand même été 6 fois champion de France dans toutes les catégories. Cadet, junior, senior, Dominique. Il a été médaillé de bronze des championnats du monde junior. Il a remporté les Jeux méditerranéens, les Jeux de la francophonie. Il a un vrai beau palmarès. Il a un très beau palmarès chez les amateurs. Corinne n'a pas pour le moment. Et là, c'est Bécu qui vient de reprendre l'initiative. Mais il est tout de suite derrière. La contre-attaque, elle est pour Horry. Ah, je peux vous le dire, Tino Horry, il est venu avec la famille. Hein. Quelle ambiance à Ponto de Mer. Dans ce parc des sports et loisirs, Alexis Vastine. Non. On n'a rien à envier sur ce genre de match aux Anglais qui nous proposent des combats de ce genre tous les week-ends. Clairement pas. Putain, mais il est mort. Mais finis-le, merde. Prends ta chance, merde. Il est mort. Non, j'ai dit d'arrêter de travailler sur un coup. Écoute, Jean. J'ai demandé de travailler le premier. T'attends toujours qu'il te frappe. T'es là, je veux que tu frappes le premier, il est mort. Tu l'as touché, t'as même pas fini. Je m'en fous. T'as compris? Et continue, je m'en vais. T'as compris? Non. C'est si dur, tu m'écoutes ça, pas, ça va pas le faire, Tino. Hein. Cette ceinture, tu la veux ou tu la veux pas? Bon, écoute-moi, tu l'as séché 2-3 coups, t'as pas suivi, t'as reculé. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu l'as séché, tu reviens sur lui. Putain, mais elle est où ta rage là? Elle est où ta rage là? Ah, mets-moi là ta rage. Hein. Il est mort, il en peut plus. Tu sais ce que ça veut dire? Tu peux gagner avant la limite, Tino. Oh! Réveille-toi un peu! Allez! On y va! Alors, l'entraîneur est un peu excessif, mais il essaie de motiver parce qu'il sent qu'il y a un point de rupture d'un côté ou de l'autre. Donc ça va jouer sur la résistance physique chez ces deux boxeurs.
Ah, c'est vrai que là, clairement, il a tenté l'électrochoc psychologique. Mais oui, parce que Bécu revient dans cette dernière, dans ce dernier round, dans ce quatrième round. Il revient un petit peu dans le combat. Vous l'avez dit, l'expérience acquise dans les différentes compétitions internationales amateurs, il les a acquises. Elles sont à son bénéfice, au bénéfice de Bécu. Ori qui tente toujours le contre. C'est vrai qu'il a un peu plus d'expérience, Bécu. Il a laissé l'orage passer. Il a touché. Oh, la gauche de Georges Ori qui a touché Jérémy Bécu. C'est en bout de course, tapis. Mais boxe. L'arbitre ne le compte pas, mais il a été touché. Il a été touché. Gauche. Il était en déséquilibre, mais il a pris la gauche quand même. Et il revient encore, Ori. Il est intelligent. Jérémy Bécu est toujours là, il ne rompt pas. Quelle débauche d'énergie. Il y a rarement eu un combat d'une telle intensité dans cette catégorie. Et c'est vrai qu'on rappelle que c'est une catégorie des poids coqs en moins de 53 kilos. Et pourtant, il frappe comme des moyens. On sent qu'il y a un antagonisme entre ces deux boxeurs qui se suivent depuis leur plus jeune âge. Et on va le dire, hein, je vous l'ai dit, on va pas avoir peur. C'est vrai qu'ils l'ont annoncé. Ils peuvent pas se voir, Dominique. Mais non, ils ont le même. Ils ont toujours eu les mêmes objectifs. Donc forcément, il y en a toujours un qui a été au-dessus de l'autre et qui a donc en quelque sorte volé le beefsteak de l'autre. Et jusqu'à présent, c'est Jérémy Bécu qui a toujours remporté. Et là, il vient de se faire contrer encore. Beaucoup plus d'efficacité chez Georges Ory. À l'avantage d'Ori sur cette cinquième reprise. Attention à vos têtes, les gars. Pourtant, tactiquement, c'est pas très très difficile. Il suffit de laisser Bécu enchaîner puisqu'il le fait systématiquement. Alors que là, il recule, il contredit. Et pour la première fois depuis le début du combat, c'est Bécu qui recule, qui subit un petit peu. Et c'est vrai qu'il a quand même pris des coups hein, dans ce cinquième round. Il a été dur pour lui, cinquième reprise très compliquée. Il a été sonné, touché deux fois. Et attention à la gauche de Bécu là, qui a touché Ori. Il tente de se déplacer. Hein. Jérémy Bécu. Mais se rendre clairement à l'avantage de Georges Ory qui aura sonné son adversaire. Travaillant contre, dégage intelligemment. Voilà. En levant les mains. Voilà. On prend le centre quand tu es fatigué, quand tu sens que tu as un truc. Essaye de travailler. Maintenant, tu le tournes. Va le chercher. Sur cette droite hein, qu'il a touché. Prends confiance. D'accord. Essaye de prendre. De me passer un crochet gauche au foie. T'as pas encore passé de crochet en bois. C'était limite. Hein. T'as pas encore passé de crochet en bois. Essaye de passer. Par contre, toi, tu peux travailler comme ça sans... voilà. Hein, ça vous donne quoi à mi-combat votre pointage, Dominique? Voilà. J'ai Ori pour le moment qui est devant. C'est bien. Par rapport à la clarté de ses coups, par rapport à l'explosivité de ses coups, mais rien n'est joué, c'est maintenant que ça va jouer sur les 2-3 prochaines reprises. Fais-le subir. C'est le début de la sixième reprise. Georges Ory est en avance. Mais Bécu a du cœur, de l'expérience. Oui, ça va un peu plus vite chez Ory. Les enchaînements sont plus rapides, plus explosifs. On sent que ce n'est pas un combat de boxe, c'est vraiment du pugilat. C'est vraiment deux boxeurs qui s'aiment pas, vous l'avez dit, qui sont... ils veulent se prouver quelque chose. Voilà, et le crochet gauche de Georges Ory qui a touché le menton de Jérémy Bécu. Résistant, hein, parce que je crois que c'est la rage qui anime ces deux boxeurs. Ah, ils restent sur leurs pattes pour le moment, les deux, alors que Bécu a beaucoup encaissé. Et là, il est obligé de reculer, Bécu.
Et lui aussi, cette fois-ci, il tente le contre avec l'uppercut. Et il prend à la gauche encore de poulain fouet. Ah, il fait des dégâts, Horry, avec son crochet gauche. Et manifestement, il est un peu plus efficace. Ah, c'est bien encore. Georges Horry, il a l'œil déterminé. Voilà, il est touché, il a titubé. Bécu. Et le crochet du gauche. Encore un bon contre d'Horry. Il est déterminé à s'imposer pour la première fois de sa carrière face à Bécu, Horry. On sent l'exaltation dans les coins aussi. Tout le monde est excité. Oh, la puissance de la gauche d'Horry. Bonne esquive. Là, il a bien esquivé. Faut rester lucide dans le coin de Horry parce que pour le moment ils sont devant, il ne faut pas qu'ils perdent cette initiative par justement une déconcentration. Ça roule bien pour le moment, il ne faut pas bouger. Et Dominique, on vient de nous communiquer le pointage des juges et pour le moment, à la mi-combat, eh bien, les trois juges donnent. Plus haut, eh bien, presque 3 points d'avance à chaque fois. Mais moi j'ai 49-46 pour Horry. Eh bien, c'est a priori ce que deux des juges donnent. Et le troisième donne 50-45 pour Horry. Il n'y a qu'un round qu'on peut attribuer à Bécu, donc c'est le round d'avant. Donc on est un petit peu. On est assez en phase, mais ça reflète ce qu'on voit sur le ring. On voit un boxeur qui a un état de fraîcheur un peu supérieur pour le moment. C'est Georges Horry. Oh ! Terminé. T'as pas entendu, personne n'a entendu. Ah, l'arbitre prévient, personne n'a entendu le coup de gong. Rien. Il faut se calmer parce que c'est involontaire. Totalement involontaire. Ce qu'il y a, c'est que c'est toi. Tu dois t'imposer, laisse-le pas faire confiance. C'est encore un round en faveur de Horry. À chaque fois que tu y as passé tes crochets gauche, à chaque fois ils ont passé. Sers-toi plus de ton crochet gauche. D'accord ? Gêne-le un peu avec ton bras. D'accord ? Hein ? Oh, pour pas qu'il vienne à distance, gêne-le un peu avec le bras. Hein ? Et là on s'oriente vers un combat pratiquement qui n'a plus de sens. Si jamais il n'y a pas de victoire avant la limite pour. C'est là pour Bécu, ça va être compliqué parce que là on arrive avec 3-4 points d'avance. Allez, Gitan, il se laisse marcher sur les pieds. Un mi-combat. Par lui en plus. Allez, c'est toi le plus fort. C'est toi le plus fort. Écoute ça, je me fais pour ton papa. Zimba, ok. Allez, tu vas. Dans le coin de Georges Horry, on est vraiment dans l'émotionnel et l'affectif. Oui, mais. Box. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animation sur le ring et autour du ring. Il faut savoir rester lucide, savoir raison garder. Et encore ce gauche et le crochet droit qui vient désarçonner encore. C'est très bien ce qu'il fait Georges Horry. Alors que Bécu essaye de l'enfermer dans le coin. On vient au centre, les gars. Il arrive à s'en sortir. Il a l'air épuisé, Bécu. Box. Et Georges Horry tient peut-être enfin sa revanche. Déplacement rotatif là pour se sortir. Il a pivoté sur sa jambe arrière, donc sur sa jambe avant, pardon, et il a réussi à se mettre hors du champ. C'est vrai qu'il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de feinte. C'est un combat d'homme à homme où les deux boxeurs se contre l'un après l'autre. Ce combat est très vite rentré dans le côté émotionnel et il n'en est pas sorti depuis le début. Voilà, les deux voulaient marquer l'esprit de l'adversaire. Et pour le moment, c'est Georges Horry qui réussit cette tâche. C'est un combat qui laissera des traces dans l'organisme des deux boxeurs parce qu'ils se sont donnés. Ils sont en train de se donner complètement et ils sont presque dans le rouge. On le voit au niveau du visage de Bécu. Sur certaines séquences. Et il est là, il est présent. On voit le courage, la détermination de chaque côté. C'est bien Horry, l'uppercut qui a touché Bécu. Et Horry qui travaille encore avec son bras avant.
On se sépare, les gars. Et il est en difficulté, Bécu. Il avance de manière instinctive, de manière mécanique. Et là, il y a la cadence, la combinaison. Droite, gauche, droite. Enfin, il est déterminé, bien dans son combat, Georges Horry. Il est lucide. Manifestement, il est plus frais. Et on l'avait dit, c'est celui qui restera, qui continuera à frapper quand l'autre ne pourra plus avancer, qui gagnera. Oh, la droite qui est passée encore. Et la gauche. Ah, il n'y est plus, Bécu. C'est vrai qu'il avance de façon automatisée. Il boxe à l'énergie. Top. Tiens pas, Jean. D'accord. Boxe. Énergie, courage. Qu'est-ce que ça frappe? Et le crochet droit, gauche, pardon, d'Horry qui rentre. Quelle débauche d'énergie. Les deux boxeurs se donnent complètement. Ça ne lâche rien. Et encore Horry qui accroît son avance sur ce round. Il est mort, il est fatigué. Il a raison. Hein. Celui-là, faut le doubler. Hein. Double-le, ce putain, celui-là. Là. Non, tu l'as fait une fois. Eh ben, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. On vient à la bouche. La super finale. Round. Hein? Huitième. C'est là que t'es le plus fort. Il est mort et on peut plus. Ça veut dire quoi, Tino? Ça veut dire que si t'es un bonhomme, là, si t'es un bonhomme, là, normalement, le combat, il va pas jusqu'au bout. Le combat, il va pas jusqu'au bout. Si t'es un bonhomme. Si t'es un bonhomme, tu vas pas jusqu'au bout. Mais c'est un bonhomme, parce que c'est bon, vu, là, oui. C'est vu vrai, là, oui. L'énergie et... Durci le combat. Et tout ce qui donne. Combat. Dès que t'as frappé, tu t'as rentré, totalement dans la fibre émotionnelle. Tu restes, mais je te frappe derrière. Que sur la voilà. Des contre-attaques solides. Alors que son boxeur, Georges Horry, fait vraiment un combat magnifique, il faut le reconnaître. Il n'a pas besoin d'être poussé, il est présent et il est frais. Il a besoin d'être rassuré, pas plus. Il récupère. En face, on est moins serein. Et pour cause. Allez, Georges Horry qui continue son entreprise de destruction, qui avance. Oh, là, c'est solide encore le crochet droit. Mais oui, parce que les attaques de Jérémy Bécu ne sont pas précises, sont désordonnées et systématiquement il reste dans l'axe. Et derrière, ça donne du champ à Horry pour contrer avec son bras gauche. Oh oui, le percute droit qui est rentré. Il a enchaîné avec le crochet gauche. Et c'est vrai qu'il y a un total manque de lucidité de Jérémy Bécu. Et il boxe de façon automatisée maintenant. C'est vraiment au mental qu'il reste debout. Ah, il a du courage, de la volonté, mais ça ne suffit pas. Face à la clairvoyance, l'explosivité des coups et la maîtrise de Horry, ça va, il aura du mal à terminer. Gauche encore qui vient toucher la mâchoire de Bécu. Quelle densité dans le travail offensif chez ces deux boxeurs. Ils ont négligé complètement tout ce qui était. Ah, ils ont abandonné défense. La technique. Ils boxent avec leur cœur et leur trip. Eh oui, ils ont abandonné tout ce qui était côté technique et tactique. Là, ils y vont avec les tripes. Ah, c'est attaque, défense des deux côtés. C'est celui qui résistera le plus. Voilà, le plus de cœur. Boxe. C'est bien, encore une fois, les enchaînements de crochets de Georges Horry. Il garde manifestement plus de fraîcheur, plus de clarté, de clairvoyance. Décrochez-vous les gars, décrochez-vous. Et malgré tous les coups, Jérémy Bécu est toujours là. Malgré tous les coups qu'il a pris, on contre. Touché encore une fois.
fois, Georges Aurillac. En droite, il s'est mis en droitier, il a inversé sa garde et il l'a perturbé. Il a du mal à enchaîner sur ses jambes. Une nouvelle fois. Et Bécu peut être encore touché, mais il résiste. Il continue à avancer, à quel rester courage sur ses pattes. Ne bouge pas, ne bouge pas. Ne bouge pas. Il va rester calme dans son coin, il reste plus. C'est pourquoi il lève la main ? Parce que tu as fait mal. Il reste plus qu'à terminer le combat tranquillement. Il n'a pas besoin de... Une fois ou deux fois. Il n'a pas besoin de le pousser. Il reste plus que deux rounds. Alors maintenant, il reste plus que deux rounds et il y a 4-5 points d'avance en sa faveur. Regarde devant toi, Tino. Occupe-toi de ton combat, s'il te plaît. Écoute-moi, Tino. Ton bras arrière, si tu ne doubles pas deux fois quand tu es dans les coins, là, on n'est plus copains. T'as compris ? Parce que là, c'est pas normal. T'arrives à le doubler et tu le fais une ou deux fois. Ne bouge pas, ne bouge pas. C'est un code qu'ils ont entre eux, la relation entraîneur-entraîné est particulière. Eh ben ouais, ben on suit derrière et fais le bonhomme. Et ils ont tellement envie tous les deux de gagner quand cette, dans les coins, tu leur fais une cette série, ceinture. Par contre, des séries de 4 coups, 1, 2, 3, 4. Ok. Oui, mais ne le fais pas une fois. Tino, on est là pour gagner. Il est encore lucide. 9e. Et le dernier coup, tu vas t'amuser. D'accord ? Voilà, garde Bill Bang. D'accord, attends, allez. 9e et avant-dernière reprise. Georges Oury est clairement en tête dans ce championnat de France des poids coqs face à Jérémy Bécu. Mais Bécu a du cœur. Et on peut le dire, il n'y a qu'un KO qui peut sauver Jérémy Bécu sur ce championnat de France magnifique au niveau de l'intensité. Ah, clairement. C'est pareil, vous les gars. C'est bon. Il y a un minimum de 5 points d'avance là. Au pointage pour Georges Aury. Seule une victoire avant la limite peut permettre à Jérémy Bécu d'obtenir cette ceinture de champion de France. Et il est là encore Bécu, avec son bras arrière droit. Quel cœur de Jérémy Bécu. Ah, il n'a pas envie de lâcher, il n'a pas envie de perdre. Hein. Le titre est vacant, mais... Il n'a pas envie d'être battu par Ori. On se tient pas, on se tient pas. Et il bouge encore bien, Georges Ori, clairement. Et Bécu qui se donne, qui se donne du mal encore. Hein, qui et la droite qui enchaîne. Il est encore présent malgré la fatigue, malgré les coups, malgré l'épuisement. Donc il est encore présent sur cette 9e et avant-dernière reprise. Et c'est lui qui est en train de faire le combat sur ce round. Même si Georges Aury reste dans le contre, c'est sa tactique depuis le début du combat. Attention à cette droite de Jérémy Bécu qui est rentré. Jérémy Bécu vient de toucher Aury avec cette droite. Et c'est lui qui domine cette reprise. Ah, il a été mieux, beaucoup mieux. Ils ne nous ont pas laissé un instant de répit depuis le début du combat. On n'a pas respiré du combat. Va peut-être inspirer Thomas Masson dans le vestiaire pour son championnat d'Europe. En tous les cas, s'il est aussi bien préparé physiquement que ces deux boxeurs, il a toutes ses chances. T'en crochet, Georges, t'en crochet. Fin de la 9e reprise. Avec un Jérémy Bécu qui a retrouvé un petit dernier peu de couleur. Hein, on a fait tout ce qu'on a pu. T'as rien d'interproché. Le dernier round, on fait une guerre. D'accord. Le dernier, on le dégomme tout.
T'as fait tout ce que t'as pu. Quand il est dans les coups, c'est moi ça boxe. Tony Bonnel qui est en train de dire clairement à Jérémy Bécu que le combat est perdu et qu'il faut maintenant tout donner pour tenter le chaos. Ah oui, là, moi j'ai mon pointage 88-83 à la fin de cette reprise. Sors sur des esquives. Reste pas sur ses coups. Quand on te demande de doubler celui-là, tu le fais. D'accord, ok. Ouais, mais le fais pas une fois, Thilo. Alors moi, tu me fais un round sérieux. Et on lève bien les mains. Ok ? Lève-toi. Thilo, c'est le dernier. Tu le fais pour ta famille. Tu le fais pour ta famille. Ok, Thilo ? Dernier. Allez, Dominique. On a vraiment pris beaucoup de plaisir dans ce championnat de France des Poids-Corps. Et c'est la dernière reprise entre Jean Jaury et Jérémy Bécu. Était au bout de même sur le plan physique, sur le plan de la détermination, du courage. Il ne restera pas dans les annales sur le plan technique. Par contre, sur le plan de l'engagement. Et on voit encore Bécu. Stop. Qui, qui essaie de bousculer son adversaire. Qui tente il lâchera pas. Il restera dans ce combat jusqu'au bout, Jérémy Bécu. Il a un espèce d'ascendant psychologique sur Ori. Il l'a toujours battu. Et là, il enchaîne des bonnes cadences avec l'uppercut droit qui est passé. Comme il presse Jérémy Bécu. Et il sait que la seule, c'est l'instinct de survie, la seule manière de gagner ce combat pour lui, c'est de gagner avant la limite. Point blanc, pas de quoi couper, il tirait dessus. Tout le monde est fatigué, même le sparadrap. Il tient plus sur les gants. Mais tactiquement, Ori a eu raison de baisser un petit peu le pied parce que c'était pas la peine d'aller chercher et à prendre des risques supplémentaires alors que le combat est pratiquement gagné. Ouais, il a tellement d'avance alors que Bécu continue de presser, d'avancer. Ah, sur les jambes, voilà, c'est bien. C'est intelligent. Le percute, le crochet et la sortie en contre de Jean Jaury. Et crochet droit de Jérémy Bécu qui touche au visage. C'est un combat qui nous aura tenu en haleine jusqu'au bout. Oh là là, mais quelle débauche d'énergie des deux combattants. C'est hallucinant ce que l'on est en train de vivre. Intelligemment, Ori défend, n'accepte pas les échanges. Boxe. Il est à 50 secondes de la victoire, Georges Ori. Allez, on est dans les dernières secondes. La dernière minute de ce combat. Chapeau messieurs, parce que jusqu'au bout, Bécu, même se sachant battu, il a été au-delà de ses limites. Allez, on est dans les derniers instants. Avec Jean Jaury, largement en avance. Jérémy Bécu qui aura tout donné. Malheureusement pour lui, ça semble terminé. Il lui fallait s'imposer avant la limite dans cette dernière reprise. Ça ne sera pas le cas. Et Jean Jaury va enfin prendre sa revanche face à son némésis, comme disent les anglo-saxons, sa bête noire. Et fin de ce combat pour le titre de champion de France vacant des poids coqs. Et il est clair que Georges Ory aura été au-dessus, Dominique. C'est vrai que sur le... On peut pas en vouloir à Bécu, il a fait... Il termine, c'est lui qui termine même plus fort le combat parce que tactiquement Ori a baissé un petit peu, il n'a pas pris de risques inconsidérés, il a eu l'intelligence tactique de ne pas, se livrer. Ça c'est du bon. À la sortie, donc grâce à cette volonté, il revient dans le combat. Moi j'ai 97-93 à l'avantage de Ori. Donc, je pense que vous ne serez pas loin de la vérité, Dominique. Et un très très beau combat, acharné, engagé. Tu peux être fier.
avec un Georges Horry qui aura tout de même maîtrisé tactiquement son plan de match, à savoir contrer au maximum Jérémy Bécu. Il n'y a pas eu un instant de temps mort, de répit dans ce combat. Très spectaculaire, donc qui ne laissera pas indifférent les gens qui sont venus voir de la boxe à Ponton de Mer. T'es champion de France, Montino. C'est ce qui est dans la tradition. T'as fait le combat rêvé. T'as un bonhomme. T'as un bonhomme, Thibaut. Alors tire dessus. T'as un bonhomme, bon. T'as un bonhomme, Montino. T'as un bonhomme. Super. Quel que soit le résultat, vous avez fait honneur à la boxe, les gars. Très bien. Superbe. Et ça a plu à l'arbitre aussi, ce combat, Dominique. Je pense qu'il a plu à tout le monde. C'est vrai que c'était un combat extrêmement engagé, extrêmement plaisant. Et ils font honneur à la boxe, ces deux garçons. C'est vrai. À Gérard Tesson peut être heureux d'avoir monté un tel combat dans une telle soirée. Écoutez, ça s'inscrit dans la tradition des grandes réunions qu'est capable de monter Gérard Tesson. Et avec un support comme celui de Ponton de Mer, parce que c'est une ville de boxe, Ponton de Mer, avec un maire qui est complètement, qui suit complètement le club. Allez, on va écouter la décision de Jean-Pierre Cossegal dans quelques instants. Mesdames, messieurs, le pointage des juges, c'est une décision unanime pour monsieur Christophe Fernandez, 97-93. Pour monsieur Robin Dolpierre, 97-94. Et pour monsieur Boubker Idni, 98-92. Est donc déclaré vainqueur de ce combat et proclamé 56e champion de France de l'histoire des poids coqs, Georges Thino. Belle victoire, méritée, la joie de Georges Horry. Thino qui enfin va vaincre le cygne indien pour battre sa bête noire Jérémy Bécu chez les professionnels pour ce titre de champion. Voilà, Cédric Bitu également sur le ring. C'est bien. Et on va tout de suite écouter Thino. Bonsoir Thino, alors un combat vraiment exceptionnel, un retour aux sources j'ai envie de dire, et puis manifestement une bonne préparation. On aurait cru un combat plus facile ou comment ça s'est passé dans la tête ? Non, franchement je m'attendais à un combat très très dur, ce qui a été le cas, mais voilà, je m'attendais à un combat plus physique on va dire. Voilà, aujourd'hui je pense que ma victoire elle est normale, je veux dire elle est logique, et voilà... Je pense que sur la victoire, il n'y a rien à dire. Voilà. Une pleine satisfaction pour ce retour sur les hautes marches du podium. Ouais, une belle satisfaction parce qu'en amateur, on m'a souvent dit, et les gens ont souvent un peu miroité, que mon titre de champion de France avait été quelque peu tronqué. Là, la ceinture de champion de France, il n'y a personne qui me l'enlèvera et je l'ai gagné avec mon entraîneur, mes points, et je ne vais pas dire la suite. Une force mentale qui a été secondée par la famille. Ouais, il y a une force mentale et supportée par la famille qui est ici, mais j'ai perdu aussi mon père qui est là-haut et je pense qu'aujourd'hui d'où il est, je lui remets cette ceinture et je l'ai fait pour lui aussi. Tu l'as bien fait. Merci Dino, félicitations. Merci à vous. Alors, entraîneur de Dino, là on est revenu de loin, une préparation, un mental d'acier, comment ça s'est passé ? Bah écoutez, ça a été une grosse préparation, vous l'avez vu comme vous-même, mais vous la voyez ce soir. Il a tenu les 10 rounds, il aurait pu en faire 12. Je pense que moi, j'ai dû faire 10 rounds aussi. Enfin bref, une préparation d'un championnat de France, ça se fait pas à la légère. Ça fait 3 mois qu'on se prépare, 3 mois de travail, et je suis content pour lui. Voilà. Une grande satisfaction personnelle et pour le club. Très ému, parce que voilà, il y a tout un club derrière nous. Nous, on est une grande famille, Angers Boxing Club. Mais voilà, Thino, c'est le fer de lance. Et puis je crois qu'il va faire des envieux. Là, je pense que derrière, ça va pousser derrière. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, maman de Thino. Alors,
après ces longs instants de préparation, à être à ses côtés, c'est l'émotion plein et entier. Émotion totale, très heureuse, forcément. Et il avait en face de lui, il avait vraiment un bon boxeur aussi. Donc on est vraiment très content. Comment ça s'est passé pour le seconder, le soutenir pendant tout ce temps? Il est vraiment courageux parce qu'il a un bon mental déjà. Bon, les régimes, tout ça, c'est très dur. Mais bon, il a vraiment les capacités pour y arriver. Maintenant, la famille est heureuse, ravie? Très ravie, très ravie. Encore félicitations pour vous et puis pour votre fils. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci, vous de même. Au revoir.